quand j'avais 11 ans. Le temps d'arriver, une petite bulle, à peu près 2h30 de ça. Puis, une journée, mon père, il a loué une cassette au Radio Shack. Ça s'appelait WrestleMania 11. À la fin de cette cassette-là, je savais exactement ce que j'allais faire dans la vie. Depuis 2015-2014, en fait, je réalise mon rêve dans la WWE. Et moi, il y a une chose dans la vie que je trouve extrêmement importante, quelque chose que je trouve que ces temps-ci, à notre époque, dans notre société, on a perdu de vue. C'est l'humilité et la gratitude. Sammy, il vient de vous remercier toute la gang, mais moi, je pense que des remerciements personnels, ça vaut la peine aussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé à me rendre où je suis aujourd'hui, ici, puis à vivre mon rêve. Il y a mes parents, évidemment. Parce que quand je leur ai dit à 11 ans, « Hey, moi, je peux faire de la lutte dans la vie. » Pas une seconde, ils m'ont dit, « Voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Non, ils ont commencé à me supporter direct là. Ma mère a trouvé une école de lutte dans une grange pour que je commence. Ils m'ont chauffé jusqu'à mes pratiques. Ils m'ont chauffé partout jusqu'à temps que j'aie mon permis de conduire. Ils m'ont suivi partout. Sans eux autres, je ne serais pas ici. Il y a ma femme et mes enfants qui malheureusement ne sont pas ici à soir, mais qui me regardaient à la maison. Sans leur support, leur amour, le fait qu'ils ont toujours cru en moi, même quand ça regardait mal, je ne serais pas ici. Il y a cet hostie de roue-là avec qui j'ai passé des expériences à travers le monde. On s'est supportés, on a été partout ensemble. Puis tabarnak, je suis encore pogné avec. Mais sans lui, je ne serais pas ici. Il y a son père, Dusty Rhodes. Je suis arrivé à NXT en 2014, il y en avait un asti de paquet qui me regardait à moi et qui se disait pourquoi ce gars-là a été signé, pourquoi il donne une chance à lui. Savez-vous qui a jamais pensé ça? Dusty Rhodes, asti. I'm telling these people who helped me live my dream, your dad, without him, I wouldn't be standing here, I guarantee it. Il y en a tellement d'autres, mais il y en a deux en particulier. Ils faisaient des compagnies de lutte direct ici, au Québec, qui nous ont donné la chance de rouler notre poste, d'acquérir de l'expérience pendant les 15 années où j'étais pas à la WWE. Il y en a un, son nom c'est Éric Picard, son nom plus tard c'était Nightmare Manson. J'espère qu'il est ici à soir, je suis pas sûr. Éric, si t'es ici, sans toi, je serais jamais dans le ring en ce moment. Puis là, il est direct là, son nom c'est Steve Boutet, sa compagnie c'est la NSPW. Puis si vous êtes dans cette arène de l'ange aujourd'hui, puis vous n'avez pas eu la chance de voir un grand gala, je vous le suggère, NSPW, allez-y, ça vaut la peine. Sans lui, je ne suis pas ici ce soir. Je répète un peu ce que Sammy a dit, mais dans Nakano for WrestleMania, je ne penserais pas que ça va marcher, mon ami. Par contre,
avec une foule comme vous autres, il y a raison. C'est pas la dernière fois. À la prochaine, tabarnak!